À 15 km de la côte ouest, se dessinent les Écréous, le plus sauvage des archipels anglo-normands. Comme Jersey, Guernesey, Origny et 8 autres îles, les Écréous sont rattachés à la couronne britannique depuis le XIIIe siècle. C'est un archipel assez irréel de rochers, de cailloux, et c'est un endroit qui est extrêmement difficile d'accès compte tenu des courants. Il n'y a quasiment pas de carte des Écréous parce que c'est un entrelac de cailloux, de chenaux tortueux. C'est peut-être aussi ce qui fait son charme, ce côté inaccessible. Philippe Renaud a écrit plusieurs ouvrages sur les Anglo-Normandes. C'est très surprenant, très étonnant, presque à se frotter les yeux en disant mais est-ce que c'est pas un mirage? Qu'est-ce que c'est que cette petite ville qui surgit au milieu des flots? Philippe se dirige d'abord vers la Marmottière, la plus grande des îles habitées. Ici, protégée des tempêtes par le rocher, s'élèvent une vingtaine de petites maisons, des anciennes cabanes de pêcheurs. Ce sont aujourd'hui uniquement des maisons de vacances. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Donc c'est forcément une vie très simple. Bien sûr, aucun commerce. Donc on amène son approvisionnement, son ravitaillement. C'est forcément un peu spartiate et on se contente de peu et d'une vie simple. Alors là, nous sommes en train de rentrer dans la grande rue et quasi unique rue de ce petit îlot de Marmottière. De part et d'autre de cette rue, des toutes petites maisons qui sont blotties les unes contre les autres, quasiment pour se tenir chaud et résister aux tempêtes d'ouest. Une toute petite rue qui mène à la place du village. Elle fait quoi? Elle fait 8 mètres carrés, 10 mètres carrés. Tout est compliqué, pas de matériaux, pas de ciment. C'est un vrai défi que de conserver ces petites maisons dans l'état remarquable où elles sont. On ne peut pas dire qu'il y a un style propre aux Écréous. Ce sont des cabanes de pêcheurs construites à l'origine certainement de briques et de brocs et puis améliorées au fil du temps.